Bonjour, moi c'est Antoine Vidal, j'ai 25 ans et j'habite sur Montpellier. Alors mon parcours il est assez simple, j'ai 7 ans d'expérience dans la logistique et le transport où j'ai fait différents postes, que ce soit magasinier à manager, ce qui m'a permis aussi de maintenant être fondateur de Touchips. Le but de Touchips, c'est un service de livraison express en moins de 2 heures. Le but c'est vraiment de le rendre écologique, durable, donc c'est vraiment axé sur la logistique durable. En quoi? Alors le but c'est vraiment de réduire cette pollution sonore, cette pollution atmosphérique et aussi les embouteillages dans les zones urbaines. Comment vous est venue l'idée de lancer ce business? Alors cette idée, elle m'est venue tout simplement à travers une expérience que j'avais faite au sein d'une startup. C'est à partir de cette période où j'ai découvert l'univers startup, donc c'est-à-dire pouvoir arriver quand on veut le matin, repartir quand on veut le soir, pouvoir travailler d'où l'on veut, donc que ce soit dans un bureau ou dehors. Et ça, en fait, cet aspect, c'était vraiment génial. Et du coup, j'ai commencé à développer un peu des skills à travers les réseaux sociaux, à travers aussi Internet. Et je me suis formé, et après est arrivé le coronavirus, où j'ai eu un besoin urgent, donc c'est-à-dire d'avoir quelque chose dans l'instant. Instantané, comme tout consommateur maintenant, il n'y avait pas de service qui correspondait à mes attentes, hein, mis à part certains services, mais il manquait toujours quelque chose. Donc du coup, Touchips est arrivé avec cette idée de faire un service de livraison en moins de 2 heures en s'axant sur l'expérience client et le parcours utilisateur. Quel a été votre principal moteur pour devenir un chef d'entreprise? Déjà, il y a un moteur, une transmission et les roues motrices. Tout simplement, le moteur, ça a été la liberté. C'est nous qui choisissons nos objectifs, c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'on veut lancer le business. Derrière, en fait, il y a la transmission qui va être surtout aller chercher, aller prospecter. En fait, on va vraiment développer sur tous les domaines. Donc que ce soit le marketing, que ce soit sur la prospection, que ce soit sur l'aspect commercial, toute cette partie en fait, j'ai même appris à créer des sites internet. Et d'ailleurs maintenant j'en fais aussi pour des clients et c'est assez sympa. Et vraiment ça me permet d'avoir une vision globale sur une entreprise que je n'avais pas avant. Et du coup, les roues motrices, c'est les objectifs qu'il faut atteindre et qu'il faut toujours aller chercher pour pouvoir augmenter et diversifier son activité. Vous devez recruter demain. Quelles valeurs et quels atouts retiendront votre attention? Ce qui est assez drôle en fait, c'est que on nous demande toujours quelles sont vos motivations, mais ils se basent jamais sur les motivations, ils se basent plutôt sur l'expérience et les compétences. Moi, pas du tout. Moi, si demain je devais recruter, je recruterais une personne que vous soyez en reconversion professionnelle ou diplômé d'Harvard, peu importe. Moi, tout ce que je veux, c'est de la motivation et l'esprit guerrier. Comme dit Anthony Bourbon, il veut que des guerriers dans sa team, et je suis pareil que lui. Moi, je veux des guerriers pour conquérir le marché et surtout conquérir le monde, en développant tout ça durablement. Voilà, merci en tout cas.